Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de ce 26e dimanche du temps ordinaire, année 1, Jésus nous raconte la parabole de deux fils ou de deux enfants qui sont envoyés dans la vigne de leur père pour y travailler. Le premier enfant affirme ouvertement son intention de ne pas obéir, de ne pas accepter d'aller travailler dans la vigne. Mais un peu plus tard, il a du remords, il change d'attitude et il va travailler dans la vigne de son père. Et le deuxième accepte d'aller travailler dans la vigne, puis après, il n'y alla pas. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, à travers cette parabole, Jésus nous interpelle sur notre vie. Jésus nous invite à nous identifier à l'un de ses deux fils, soit le premier, soit le second. Le premier enfant symbolise toute la personne ou le pécheur repentant, touché par la grâce des dieux qui se convertissent et reçoivent la force d'accomplir la volonté des dieux et de se remettre à son service. Le premier enfant, ce sont les voleurs, ce sont les bandits, ce sont les prostituées, ce sont les tricheurs, les corrupteurs, les gens qui ne fréquentent plus l'église, qui ne sont pas engagés dans l'église, qui ne communient plus. Bref, le premier enfant, ce sont ces gens-là de mauvaise vie, le perdu, qui après avoir accepté ou recevoir la bonne nouvelle, ils se convertissent et changent leur vie. Leur nom est devenu un oui, parce qu'ils ont cru à l'amour des dieux qui les ouvrait à un avenir nouveau. C'est pourquoi, frères et sœurs, que vous allez voir que tout au long des évangiles, nous retrouvons le grand pécheur qui vont devenir après le grand témoin de la foi. C'est par exemple Matthieu, c'est par exemple Pierre, c'est par exemple Saint Paul. Ils ont accueilli la parole de Dieu. Ils ont accueilli Jésus-Christ. Ils ont accueilli celui ou seul qui pouvait donner un sens à leur existence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cette rencontre avec le grand pécheur a complètement changé leur vie. Quand ces grands pécheurs ont rencontré le Seigneur, ils ont changé leur vie. Dieu accueille toujours le pécheur qui revient à lui. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième enfant, ce sont ces personnes qui prétendent accomplir la volonté de Dieu et se soumettre à la loi. Mais en réalité, elles n'ont ni la capacité, ni le désir, ni la volonté de se soumettre à la loi ou encore à la volonté de Dieu. Ce deuxième enfant, ce sont toutes ces personnes qui enseigne la bonne nouvelle de Jésus sans la vivre, sans la pratiquer, sans l'obéir. Le deuxième enfant, ce sont ces chrétiens qui professent jour et nuit connaître Dieu, capables d'enseigner la voie de la justice, la voie de l'amour, le chemin du salut, mais ne s'y engagent pas eux-mêmes. Le deuxième enfant, ce sont les chrétiens qui se contentent de bons sentiments, des superbes résolutions, d'ardentes prières, mais après, ils ne font rien. Ce sont ces chrétiens-là qui, après une retraite, vont prendre des superbes résolutions de changer, mais après, ils ne feront rien. Le deuxième enfant, ce sont ces personnes qui disent oui, mais ne font rien, qui acceptent de travailler pour notre pays, qui acceptent de respecter les constitutions ou la constitution de notre pays, mais après, ils ne font rien. Le deuxième enfant, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont tous ces chrétiens qui ont dit un oui convaincant le jour de leur baptême, qui ont dit qu'ils allaient rejeter Satan avec ses activités, avec ses sollicitations, mais après, ils n'ont rien fait. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, Jésus nous interpelle aujourd'hui. Vous avez des belles paroles, mais vous ne faites rien. Parce que Dieu attend de nous la pratique.
Votre vie n'est pas en accord avec ce que vous prétendez être. Vous vous croyez être parfait, mais vous n'êtes pas converti. Jésus s'adresse à chacun de nous en ce 26e dimanche des temps ordinaires, année A. Il pose la question à toi et à moi. Lequel des deux enfants a fait la volonté de Dieu? Dieu veut nous voir engagés dans sa vie à travers l'amour, à travers la charité, à travers la foi, à travers l'espérance. Amen.